Et bien salut à toutes et à tous, c'est Masto. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 18. Une vidéo un peu concept pas trop mal. Je vais vous montrer d'abord aussi, enfin je vais plus vous montrer comment mettre les meilleures équipes dans un même championnat. Et on va peut-être partir en carrière avec, mais ça c'est vous qui allez décider. Si vous voulez que je continue en carrière avec, ne vous inquiétez pas, à côté la carrière manager avec le FC Barcelone, elle continuera. J'ai juste un peu de temps pour que les vidéos prennent un peu. Parce que si j'enchaîne tout le temps, il se peut que les vidéos ne soient pas vues. Donc je préfère attendre un peu, genre je serai peut-être absenté pendant une semaine. Donc c'est là où je vais vraiment enchaîner les vidéos, mais enfin pas les vidéos, mais comment dire, les vidéos chez moi. Mais je ne les publierai pas directement, enfin vous avez compris. Donc là on va aller direct en carrière de manager. Je vous montrer comment faire, comme ce que j'ai dit, hein, vraiment mettre les grosses équipes dans le même championnat. Par contre, il faut vraiment que je m'installe mieux que ça. Donc, on va prendre un championnat quelconque. Vous pouvez prendre France, Espagne, ça change vraiment rien. Vous allez sur une petite équipe, ou pour une grosse, mais bon, le but là dans cette vidéo, c'est vraiment de mettre les grosses dans le même championnat. Donc, on va prendre les Ganes, on va le faire partir. Là, ils mettent reste du monde, qu'est-ce qu'on s'en fout. Ouais, en Allemagne. On va aller par le Bayern, le bord Dortmund d'ailleurs. Putain, mais j'ai un manque de salive ou quoi là? Enfin, ça me fait mal, ça pique. Bref, on va prendre le Celta Vigo. On va prendre le Bayern, on va mettre le Bayern. On va faire ça en rapide. Bilbao par exemple. On va Tej, on va mettre Chelsea. Deportivo à la VS, on va mettre. On va mettre qui? Liverpool, Malaga. On va mettre Manchester City, Real Betis, on va mettre United. C'est vraiment mettre les grosses équipes dans le même championnat pour voir, tiens, à la fin, qui sera deuxième. Tu vois, promis, ça sera moi, hein, même si je jouerai en légende. Oui, je jouerai vraiment en légende, c'est dur, mais je jouerai en légende. Deportivo. On va prendre Lyon, tiens, pourquoi pas. On va prendre Marseille-Paris, pourquoi pas non. Ouais, Marseille-Paris. Il y en a qui vont dire que Marseille n'a pas sa place. Mais bon, dans le championnat, qui a sa place? Ça va être du lourd, donc on va pas trop surestimer, sous-estimer les adversaires. Levante, on va prendre Rome. C'était qui là? On va prendre Naples. Je fais des petits bruits là, c'est stressant un peu quand même. Moi je m'en rends compte. On va prendre l'Inter. Tac. Tac, 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 c'est bon. Gironne, ça tèche, allez, ça dégage. On va mettre Naples, c'est mis. Ah oui, on va mettre Milan. Voilà, ça dégage. On va voir si tout est bien en ordre. Tout est bien en ordre. Donc voilà, je vous ai montré comment mettre toutes les grosses équipes dans un même championnat. Franchement, c'est pas compliqué. Il y en a, ils me le demandaient. Comme je vous ai dit, j'ai fait cette vidéo il y a un an sur FIFA 16, plus d'un an, sur une ancienne chaîne toute pourrite. Je pense que j'aurais vraiment laissé cette vidéo. Je pense que ça aurait pu faire vraiment du bien. Enfin, ça aurait pu aller plus de 10 000 vues, je pense. Je sais pas. Je dis ça, c'est ambitieux. Je sais pas, hein, on sait jamais comme ça. Là, je l'ai fait sur FIFA 18. Je sais pas si d'autres l'ont fait. J'avais tapé pour voir, mais je pense pas que personne d'autre l'ait fait. En tout cas voilà, donc je vous laisse, je vous dis vraiment à très très vite. Dernière chose, comme je vous ai dit en début de vidéo, dites-moi si vous voulez que je fasse une saison avec l'ultime championnat, comme on va l'appeler. Je prends Liverpool, hein, j'ai déjà prévu de prendre Liverpool, donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse ça, et on continuera avec le Barça d'un côté aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire un truc, mais bon, c'est pas grave. Ah si, pendant une semaine, oui, il n'y aura pas vraiment forcément de vidéo. Je prépare les vidéos en avance. Et puis voilà, donc c'était Masto. Je vous laisse. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Faut que ça prenne. Donc on va attendre, on va patienter. Donc voilà, c'était Masto. Surtout, prenez soin de vous. Et surtout, à très très vite. Et ciao tout le monde.